J'espère que vous allez bien en ce nouveau jour. Je suis avec Céline, je me retrouve. Voilà, c'est ça. Eh, faut que j'aille filmer ça après. Attention, par risque les crânes. Ouais, mais c'est pas grave. Elles ont l'habitude. Le mien, il est pire que ça. Le tien est propre comparé au mien. Mais ouais, faudrait que je filme ça après. Ça peut être sympa. C'est que ce château-là qu'il y a là ou il y en a un autre à plus loin? Il y en a un là-bas, mais là-bas, il est habité. Ah ouais. Donc comme je vous ai dit hier, je me retrouve avec Céline pour aller filmer, faire 2-3 plans, 2-3 hein, prises de vue. C'est ça le mot que je cherchais hier. Prise de vue avec mon drone. Ah, il est beau le car. C'est un car, hein. Non, c'est un car. Ils l'ont pas transformé là. Non, c'est trop un car. Fun. Ah si, il y a des lits dedans. Waouh. C'est stylé. C'est 70. Ouais. Et donc... je vous dis à demain si tout va bien. J'étais en train de dire quoi? Ah oui, hier j'ai oublié de vous parler d'un truc aussi, un truc important. C'est pour ceux et celles qui commandent sur E-Little Market. J'ai reçu un email de E-Little Market comme quoi ils fermaient les boutiques carrément. Donc 15 juillet, je crois, max, E-Little Market et E-Little Mercerie ne sera plus en ligne. Donc il faudra aller sur ma boutique, sinon il faut que je change vers une autre boutique Etsy, ce qui ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, c'était la news. Sinon, comment vas-tu toi, Céline? Ça va, je regarde la route parce que là ça tourne un peu quand même. Ouais, vite fait. Non, là ça tourne. Là. Faut qu'on parle des nouveautés. Ah bah justement, j'ai fait quelques pages avec les nouveautés là. Oh, je les ai vues. Avec, t'as fait avec le métal et t'as fait avec le... L'Indien 2. Lydien, voilà. Tu m'as dit qu'il s'appellerait mieux Aztec. 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 Ouais. C'est le mot qui est venu quand je l'ai vu. Ouais, donc je vais sûrement le changer. Ah. Je sais pas, non, je rigole. Depuis quand j'écoute les autres personnes, moi? Depuis quand? J'écoute jamais les autres personnes. J'en fais qu'à ma tête, moi. Moi. Non, plus sérieusement, pour les prochaines nouveautés, on va en parler. Donc, du coup... De faire. Oui, je sais, ils ont même pas fini l'école que les affaires scolaires commencent à être achetées. C'est abusé. Donc voilà, donc ma femme vient d'aller faire la rentrée scolaire. Une partie de la rentrée scolaire, nous sommes le 4 juillet et donc c'est abusé. Il est où mon agenda? Ah, il est là. Tu vas faire un bullet journal? Ben non, c'est pour marquer pour les enfants que je garde. Bah ouais, j'ai des pochoirs. Ben oui, mais moi c'est. Et peut-être des futurs tampons. Ça me servirait pas, moi, le journal, tu sais. Je dis ça. Je dis rien. Donc, il est tard. Je vous ai pas parlé depuis ce matin. Alors, la maison que vous venez de voir, c'est notre future maison. Si seulement. Je suis en transe. Vous avez vu la bête de maison avec la bête de vue? Je suis en foutue, moi. Donc, en gros, non, en fait, c'est la maison de la maman de Céline qui a vendu sa maison. Donc, pour faire rapide, elle a vendu sa maison et donc, vu qu'elle a vécu assez longtemps dedans, bah, c'était pour qu'elle ait les souvenirs. Voilà, enfin bref. Donc, en tout cas, ma femme est déjà
a déjà fait une grande partie de la rentrée scolaire. Donc je crois pas trop cher, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Elle nous a quittés. Tu es où? Un sac pour tout mettre dedans. D'accord, donc on c'était. On va faire les sacs d'école tout de suite, on va attendre. Donc c'était pas cher, c'est ça? Oui. Ça valait vachement le coup? Ah bah oui, je suis sûre qu'il faudrait qu'on compare un Carouf. Mais je suis sûre que. Mais les parents de Anthony, ils y allaient aussi. Hein. Ah ouais? Donc voilà. Donc en fait, elle a fait sa pré. On va dire pré-rentrée. Pré-rentrée scolaire. Bah non, c'est même pas une pré-rentrée. Son... Non, il manque quoi? Des classeurs souples, son agenda et des portes revues. Voilà. Et 6 crayons de couleur qu'on en fait parce qu'on achète de la marque parce que voilà. Faut que d'accord. En gros c'était à Aldi, c'est ça? Franchement, c'est. En fait hier, voilà, hier elle a eu la pub en fait. C'est ça, c'est hier. Ouais. Hein. Normalement c'est à partir de demain. Et en fait, elle s'est dit, je vais y aller mardi soir. Avec un peu de chance, ils ont mis. Ouais. Donc en gros le tout là. Pour 50. Oui mais bon après il y a 2-3 conneries à côté, on va dire 50 euros. Quoi. 50 euros et il y a quand même pas mal et de choses. Quasiment tout est fait. Et donc, dans tout ce que tu as acheté, c'est sûr qu'on n'a pas un truc qu'on a déjà. C'est pas grave, ça sert toujours pour les voilà. Il y a ça qui gêne. Ah, et c'est bien le truc de Andorre, mais c'est pas pratique. Hein. Parce que je sais pas si vous êtes pareil que nous, mais on achète tous les ans. Et tous les ans, on. C'est pas vrai, c'est du mytho. On se retrouve avec du matériel en plus. Et on rachète l'année d'après. Et ça va arriver un moment où moi je mets le nez dedans et je dis t'as vu tout ce qu'il nous reste. Tu veux peut-être que je le prenne. Ça servira en cours d'année. Ah ouh, tu m'as pincé. Et il est lourd en plus. Bah, toutes les feuilles, tout, voilà. Ça, tout ça. Mais sinon on fait quoi? Je crois que j'ai Spa qui m'attend. Ah ouais, j'ai fini. T'es quoi? Il va falloir que je te fasse un. Tu vas mettre ça où en fait? Bah dingue, ça, je vais le bordel là, un peu plus simple moi. Je vais te faire un t-shirt avec marqué je ne peux pas, j'ai spa. C'est clair. Bon bah si, il y a spa. Hein. Ah, ouais. Sinon moi cet après-midi donc j'ai parce que oui comme je vous ai dit il est un peu tard. Sandy n'a pas aimé la chaleur. Elle a plus du tout de fleurs. En plus ça rime. Non ouais elle a plus du tout de fleurs donc je sais pas si ça se réanime un orchidée. Ou une orchidée, je ne sais pas comment on dit, si on dit un ou une orchidée. Donc dites-moi, les racines sont encore vertes. Donc je viens de l'arroser, les racines sont vertes. Bah, je viens de l'arroser, je viens d'y faire prendre son bain parce qu'il faut faire prendre le bain. Mais en gros, toutes les tiges sont devenues un peu marron. Donc je suis déçu. Enfin, je suis déçu qu'on n'ait pas réussi à la garder plus longtemps que... Parce que ça fait combien de temps là? Bah oui, bah justement. Avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, on est en août, ouais. Oh, mais t'es teubé ou quoi? Oui, 3 mois. 3 mois. Donc on a réussi à la tenir 3 mois. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour de spa. Ou ma femme va faire un petit tour de spa. Moi, je vais peut-être me lancer sur d'autres trucs. Donc là, j'ai fait... j'ai quasiment toutes mes idées pour mes tampons. Oui, parce que bien sûr, je vais refaire une nouvelle collection de tampons. Donc, j'ai quasiment toutes mes idées pour les badges aussi. Donc, maintenant, il faut que je travaille tout ça. J'ai déjà travaillé, je peux vous dire, mais voilà, après, j'ai déjà travaillé la rentrée scolaire. Parce que normal, ça va être la rentrée scolaire. Ma femme est en train de faire les achats scolaires, mais moi, je suis en train de déjà préparer la rentrée. Je ne sais pas si au mois d'août, il y aura des nouveautés, franchement, pour être franc. Parce que là je suis en train de travailler le après quoi pour avoir un petit peu d'avance et pour entre guillemets faire hein. Moi je parle à ta grand-mère. Ah, je croyais que tu me parlais. Et pour être tranquille comme on va dire même pas tranquille pour être en avance comme toutes les boutiques parce que comme si je me rappelle il y a 2 ans le Noël j'ai sorti le mois de décembre. Voilà, c'est un peu just. Donc en gros, faut que tout ça, voilà, faut toujours avoir de l'avance comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit hier, semaine travail. Demain ça sera mieux. Techniquement, ça sera mieux. Tu fais quoi? T'es en train de te mettre en maillot de bain? Oui, je suis pas en train de faire caca, je suis en train de me mettre en maillot de bain. Céline
Elle m'a dit, après, j'ai trop kiffé quand tu étais derrière la porte. Tu fais caca. C'est nous. Hein? C'est bon, t'es en maillot de bain, je peux venir? Non, peux voir? Waouh! Elle est toute nue. C'est belle. C'est pas vrai. Elle est en maillot de bain. En même temps, tout le monde connaît un maillot de bain. Hein? Ouais, la vraie live de Créa de Bois, sa femme se met en maillot de bain, les gros titres, dans les news, dans le public. La femme de Créa de Bois en maillot de bain. Sinon, des sablés? Ah, elles sont dures, elles sont pas bonnes. C'est ma femme qui les a fait. On va couper, on va arrêter là. Est-ce que... Oui. Ce soir... On va chercher des abricots. Si tu veux. Comme ça, je charge mon drone et comme ça, je fais des vidéos de drone. Si tu veux, oui. Et comme ça, je vous quitte pas tout de suite et on se dit à tout à l'heure. Si tu veux, ouais, ça fera marcher un peu. C'est mieux ? Ouais, c'est mieux comme ça. Là, je suis presque bronzée. Presque. En plus, j'ai même pas fait chauffer le spa aujourd'hui. Ouais, le spa, de toute façon, vu la chaleur. Vu la chaleur qu'il fait, ça sera bien. Bon, allez. Elle est moins bonne. Ouais, pas bonjour. T'as pris un bout de noyau. Elles sont trop bonnes, les pêches. Chut. Faut pas le dire. J'en ai plein les dents. Enfin bref. Donc voilà, vous avez pu voir un petit bout de drone. Alors j'étais dégoûté parce que je voulais le lancer au max. Donc là j'étais à 700 mètres max du point de décollage. Donc qui est déjà 200 mètres de plus que l'ancien, parce que l'ancien j'avais le droit qu'à 500 mètres. Là normalement techniquement j'ai le droit à 4 km, je le répète, mais j'ai pas pu encore le faire parce que à 700 mètres mon téléphone s'est éteint. Et en gros j'étais en mode freestyle avec le drone parce que j'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc en gros j'aurais pu perdre le drone et ma tête avec, hein, je pense. Donc voilà, donc je vais recharger à fond mon drone pour retester, bah, pas mon drone, oui, mon drone plus mon portable. Alors oui, on est en caméra GoPro, alors j'espère que le son est pas trop mauvais. J'avais pas assez de place pour prendre la grosse caméra, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est petite promenade du soir. Bonsoir. As-tu quelque chose? As-tu quelque chose à ajouter? Et t'es bien ton spa tout à l'heure? Ça fait du bien. Hein? Ouais. Bah surtout quand les mioches ils sont partis du spa, c'était mieux. Oui, hashtag mauvais parents. Parents indignes. Pareil. Bah attention, tu vas faire tomber le gamin. C'est pas grave, ça fera ma vignette de ma miniature de ma vidéo, t'sais. Oui, on a perdu Adam dans les buissons. J'arrête là. C'est mieux pour moi. Arrête-toi là. On se dit à demain. Alors demain de prévu, c'est journée de ouf. Fais des courses. Mais pas que. Allez, en repos, bah c'est course. C'est plage.
Ah, normalement, plage. Oh. C'est beau là-bas. Bah, j'espère qu'il fait beau, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau. Parce qu'en fait, on va faire comme tous les mois nos vacances en Espagne. Nos courses en Espagne. Donc, on va aller comme d'hab à Rosas. On va aller faire le plein d'essence. Hein? Normalement, au niveau essence, on a Just, c'est ça? On a pour y aller. Voilà, pour y aller. Donc, plein d'essence à 1,01€ le litre. Et bah, j'espère qu'il est toujours à 1,01€. Et ensuite, on va aller à la plage, pique-nique, tout ça. Et on va faire nos courses là-bas, notre plein de courses du mois de juillet. Ouais, bah ouais, vraie vie, hein. La vraie life. Hein, comme tous les gens, on fait notre plein de courses au début du mois, quoi. Donc plein de courses là-bas et après bon, on verra ce qui se passe. Hein. Normalement il y aura drone, tout ça, s'il n'y a pas trop de monde. Donc alors, Miss 25. Météo 25. Rafale de 50 km sur de l'ouest. Sud-est, non sud-est. Oui mais sud-est, il y a quand même 50 km de rafale. Il y a quand même du vent. L'après-midi, le matin il y a 45. Il n'y aura peut-être pas de drone. 15. Ouais, bah on verra ça demain de toute façon, hein, comme d'hab. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas. Non, toi t'as pas le droit. T'es collant. Ouais, t'es collant, t'as plein de jus de pêche. Non. Si, je t'assure. Et donc je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou.